Eh les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'essaye de faire les voix de brawler. Parce que je peux peut-être essayer de faire les voix de brawler. Sans en tenter une, bien sûr. Parce que je peux peut-être essayer, qui sait. Bon allez, bref, bonne vidéo. Eh bien salut à tous et à toutes. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors, aujourd'hui il n'y aura pas de gameplay, mais on va voir à quoi ressemble. J'ai bien dit à quoi ressemblent les voix des brawlers dans la vraie vie. On va vraiment découvrir des vraies têtes, parce que après tout on entend Poco, Jesse, mais on sait pas à quoi ils ressemblent. C'est comme Nita, Dynamite, Franck, on sait pas à quoi il ressemble. Et là, enfin, je vais voir avec vous à quoi il ressemble. Donc n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton petit commentaire pour me dire quel est ton brawler préféré et lequel pour toi t'as le plus surpris. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis écoutez les amis, je pense qu'on est parti. Let's go. Ok, donc là c'est Poco. Il lui manque des cheveux. Putain, il ressemble à ça. Ok, Colt, attention. On dirait pas un peu moi? Genre, on dirait pas un peu mon sosie? Genre un tout petit peu, genre vraiment, tu vois, un tout petit peu, vraiment. Ah, baby, I'm pretty dirty. Bon, je sais pas ce qu'il dit, mais on va essayer. Colt, c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'abandonne. Allez, on continue. Not the face. Sorry, noob. Ouais, ça, celui-là, je sais le faire. Piou, piou, piou. Sorry, noob. celui-là, il est dans la boîte. Celui-là, il est dans la boîte. Et c'est écrit dans la roche, c'est gravé dans la pierre. Allez, on continue. Bullet storm. This is too easy. Time for trouble. Watch out. Here I come. Check out my guns. Ok, Mortis. Bear witness to my fitness. Creatures of the night. Wow. Mais attendez, c'était pas prévu ça. Ça c'était vraiment pas prévu ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, je vous cache pas que là je m'attendais vraiment pas à ça. Attendez, imaginez, vous avez un prof qui parle comme ça. Qui parle comme ça? Ah, vous avez fait votre devoir? Non? Bah vous allez être puni. Et j'aurais un préf comme ça, mais oh, je lui aurais fait la tête aux pieds. Oh, je l'aurais taillé dans tous les sens, quitte à prendre des heures de colle. Ah, moi, j'aurais été content de ma connerie. Allez, on continue. You fiend, how dare you? I, Mortis the Magnificent, the truth. Putain, c'est un truc de ouf, hein. Ok. Hey. Elisa. Not from that angle. Hashtag winning. Are you serious? Oh my god! Take a chill pill. En vrai, c'est vraiment l'accent américain. Là pour ça, c'est vraiment l'accent américain. Ok, Nita, ma préférée, Nita, attention. Ouais, bon, elle, en vrai, elle est grave connue parce que je l'ai vue de ouf sur Instagram. Elle a une voix de gringe, c'est un truc de ouf. Nita! C'est un truc de ouf, elle a une voix gringe. C'est... waouh. Il n'y a pas d'autotune, il n'y a rien, c'est pur. C'est... waouh, je sais pas comment elle fait en tout cas. Mais en tout cas elle y arrive, hein. Ok, maintenant c'est Bull, attention. Ok. C'est moi ou le mec, il est en train de jouer là? Il est vraiment en train de jouer là? Et vous imaginez, moi pendant que je joue, je commence à faire le bruitage d'un brawler? T'imagines? Non mais... Allez, vas-y, ça va être un défi à faire en vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse. Genre, je fais un live et à chaque fois je prends un brawler, je dois parler comme le brawler. Genre, si je prends Franck, je dois parler comme ça. Si je dois prendre Bull, je dois faire. Si je prends Dynamite, je dois parler comme ça. Si je prends Nita, je dois parler comme ça. Si je prends. Pourquoi? Je sais pas. Et ça peut être un défi à faire. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et si c'est un top commentaire qui a ce commentaire, je le ferai en live. Ah, ça c'est sûr. Allez, let's go. Oh, come on, Shelly. Oh, oh. Hey, where am I? Come on, Bo. Bo's got Shelly in the... T'imagines le mec, il est vraiment en train de péter un câble. Et j'imagine il parle comme ça dans la vie de tous les jours. Sa femme, elle doit péter un câble. Ok, Dynamite.
Ouais, bon. Bon, là, c'est un peu le Jules de Brawl Star, hein, parce que là, il y a l'autotune puissance 15. Hein. Là, la gestion, il a fait. Attends, je vais te mettre la dose, mon pote. Vas-y, prends-le comme ça maintenant. Ok, Bo. Comment il parle, Bo, déjà? Oh, je suis choqué, là. Oh, c'était court, Romain. Jesse. Allez, vas-y. Ah, j'aime bien. C'est trop apaisant, je vous gâche pas que c'est trop apaisant. Oh, ouais. Shelly, attention. Mais attendez, je crois que c'est la même, hein. C'est la même qui fait deux voix, attendez. Si je me trompe pas, normalement c'est la même, hein. On continue avec Max. Max, alors moi j'ai jamais su si c'était une fille ou un gars. Mais il y en a plein qui disent que c'est une fille. Et moi, pour moi, ça a toujours été un gars. Parce que Max, moi je m'appelle Maxime, tu vois. Et voir une fille s'appeler Max, ah, ça me brise le cœur. Mais bon, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Donc peut-être que c'est vraiment une fille, hein. Et si c'est vraiment une fille, je fais un live avec une perruque aussi. Et je joue Max. Oh non. Ok, Emery, attention. On dirait pas un mec qui s'est chié chez lui et il s'est dit tiens, je vais faire quelqu'un qui a en dépression. Et du coup, je vais faire Emery. Eh, franchement, même lui, c'est une surprise parce que je m'attendais pas à ça. Toi, je m'attendais plus à un mec chill, posé, bien habillé, tu vois, qui fait comme ça. Qui fait un peu tiep, tu vois, pitié, quoi. Mais en fait, pas du tout. En fait, le mec, il est bronzé, il est beau gosse, mais par contre, il parle comme Emery. RIP. Yes. So good. I love staying awake. Guess I have to do stuff. So tired. For the win. Calm down, everyone. Yay. En plus, c'est vrai qu'il a une voix d'enfant de 10 ans. On dirait vraiment un enfant de 10 ans qui parle. Sweet dreams. Go to sleep. Huh? Hey! Relax. Whoa, chill. Whatever. Eh, hey, celui-ci, je le vois trop. Je crois que je vais l'enregistrer ce passage. Et dès qu'il y a ma copine qui commence à péter un câble, je vais lui sortir ça. Oh! Calm down. Night. To sleep for chance to dream. Nighty night. Eh merde. Sand shroud. Sandstorm. Did I do something? Amazing. So tired of winning. So cool. Yeah. So happy. Bon, bah les potes, on finit sur un brawler qui est pas tip top, mais je pense qu'on a trouvé des perles, hein. Je sais pas vous, mais moi en tout cas j'en ai trouvé des perles, des très grosses même. Oh là 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 là, je me fatigue à moi-même, hein. C'est un truc de ouf. Bon les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire si cette qualité vidéo elle est bien mieux, parce que si elle est bien mieux, franchement là, la classe à Gendas quoi. N'oubliez pas le petit défi, si le top commentaire c'est... Bah que je dois prendre la voix d'un brawler à chaque fois que je le joue en live. Et bah écoutez, on se fera ça. Et bah avec plaisir bien sûr. Eh ouais. Attendez, faut que j'arrive à faire une outro comme un brawler. On va faire un état. N'hésite pas à t'abonner. Sinon une araignée arrive chez toi. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ah j'avoue, en fait on dirait pas du tout Nita, on dirait plus un Sims. Je sais plus lequel, mais on dirait un des Simpsons là. Je sais plus lequel, mais on dirait l'un des Simpsons. Bref, j'arrête mes conneries, les petits potes. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ouh! Une très bonne fin de soirée? Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était un petit drag. Hey! Bye bye!